Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un dans la peau d'un abonné tout simple. Dans la peau d'un abonné, n'importe quoi, dans la peau d'un requin, dans la peau du requin, tout ce que vous voulez. Tellement pressé par le temps pour faire cette petite vidéo parce que je décolle au major que je suis en train de raconter n'importe quoi. Donc comme justement je viens de le dire, j'ai pas trop le temps, je suis désolé, le montage ira super vite parce que je recorde cette vidéo aujourd'hui, le 16/8/2018, il est 13h et je dois tout faire en moins de 5h parce que mon train part aujourd'hui, je monte à Paris au major et j'ai vraiment hâte de tous vous voir, de couvrir l'événement et de vous présenter les nouveaux OP, etc. Donc du coup je vous propose de partir en game tout de suite. Et n'oubliez pas, mon anniversaire c'est le 30 août. Je laisse ça là. Il y a absolument rien derrière, je n'attends rien. Manche numéro 1. On sait que 80% du temps les mecs ils prennent au top. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de jouer l'administration tout simplement. Peut-être essayer de jouer un petit lion avec un holographique par contre, parce que bon, sinon ça va être compliqué. Je sais que consulat est rempli de petits et longs couloirs. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais on a à peu près ce qu'il faut pour tenir le top. On a une IQ sur consulat, pourquoi? Parce que il joue énormément de caméras Valkyrie à l'extérieur. La H c'est pas mal, la Twitch c'est pas mal, les Sledge ça nous fait des grenades. Et Lyon c'est juste parce que je suis un petit... On a une bonne compo, on a une double jaune pour l'instant, pas de triple jaune. Vraiment tu sais que t'as atteint un certain degré de toxicité quand tu as plus 3 ou plus de 3 opérateurs à l'icône jaune. Là tu sais que bon, c'est chaud. On appréciate le bomb site, il est effectivement au top. Bonsoir, bonsoir à tous et à... Alors non, c'est pas Diablo X9 parce que... Wesh, Diablo X9 lui est tout à fait capable de spotter les bombes. Souvent ça bug comme ça au début. Voilà, là on m'a spoté la bombe. On va faire le tour de la table pour bait totalement les ennemis. Et non, je n'arriverai pas à me faire plus de points que ça. J'aurais dû envoyer mon drone sur l'administration tout de suite, que je sache un petit peu ce qui se passe là-bas et que je vois un petit peu le genre de setup qu'ils sont en train de mettre en place. Et non, je ne le verrai pas. C'est terriblement dommage. On va monter ici. Je vais tout de suite prendre un pic rapide sur la fenêtre. Je vais juste regarder qu'il n'y ait pas de spawn kill parce que je me souviens à un moment donné les mecs étaient tout à fait capables de monter. Je sais. Waouh, ça que c'est énorme. C'est on va friser un peu tout. Comment ça, il y a personne dans l'admin? Allez, on va rentrer parce qu'on se dit qu'il n'y a personne, mais normalement faut droner. Voilà, ça passe en travers. On va attendre là. Je sais que... Wesh, j'ai eu un retour bureau. Wesh, je sais pas si le record du coup il va tenir, mais voici mon email. Mais on s'en bat les couilles de ton email. On va claquer le deuxième lion, j'ai pas le choix. Ça me permettra à moi de me déplacer. Il était là dans l'escalier. On va avancer. Normalement c'est toujours là que ça se fait. On va reculer. Putain, je me suis fait travers. Il y a un silencieux qui est sur BPB. L'autre il est là. Tu le sais. Il va retourner derrière son shield. Tranquillement. Ne le joue pas. Il s'en bat les couilles. C'est très compliqué la plante qu'il a choisie là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Le mec a seulement 2 échos, il fallait tellement forcer la plante. Il a fait le bon move et derrière il a niqué complètement son play quoi. Putain! Ici je vais renforcer les chiottes. Non, c'est lui qui le fait, ok, très bien. J'ai même pas le revolver sur Doc ici. Du coup je vais renforcer les murs du fond. Et je pense que je vais tenter un petit spawn kill des familles. Ça pourrait réduire le nombre... nombre de joueurs, vous-même vous le savez hein. Voilà. Je vais mettre un barbelé, je vais vous expliquer le placement des barbelés après. Je vais le mettre là. Ensuite je vais le mettre là. Ok, tout va bien, pas de soucis. On va ouvrir la porte en espérant qu'il n'y ait pas de drone dehors. Je t'ai repéré, ok, très bien. Bah je suis désolé, je suis dans l'obligation de partir. On attend ça rappel encore côté jaune. Si elle pouvait arrêter de me spam. Mais c'est... Quelle bande de... Ah non. Elle est rentrée PDG.
Il y a personne qui prend la ligne, c'est insane. Regarde. Bonjour. Et voilà. Nickel. Bon bah voilà, ça part de là, hein, c'est cool. On est en platina diamant et ça joue comme ça quoi. What? En fait j'aurais dû devenir professionnel sur Fortnite parce que du coup je vous aurais fait des dans la peau d'un requin sur Fortnite en solo. Et du coup j'aurais fait le malin. Ouais, c'est comme ça que ça se passe et tout, c'est super cool. Là on fait un petit top 1 au KLM alors que là tu peux pas, c'est du 5 contre 5. Donc si tes potes ils comprennent pas, ben ils comprennent pas tu vois. On va prendre l'info, si jamais il y a personne qui couvre le bac parce que comme ils sont que 4, je pense que ça va turtle. J'aurais peut-être un timing pour passer par derrière et pusher la trappe... La trappe serveur. Ouais, il m'a vu, je l'ai vu, il sait que je suis là, sauf que moi j'ai pas du tout l'avantage. Donc, ou j'essaye de le piquer. Nice. C'est qui est tombé? Lui va être obligé de revenir sur BP. Donc, je vais essayer de rentrer sur le banc. Ça a été fait. Il y a quelqu'un, voiture jaune ou pas? Camon blanc peut-être. Jamais personne qui regarde entre les lignes là. Lui il est mort. La trappe elle est fermée ici. Mais non! J'ai pas de shot. Son esprit. Bah du coup le bandit a le diffuseur. Bon courage les poulets. Il a la porte cuisine, vous l'avez vu. Bing. Nickel. Ok, va falloir que je fasse un petit peu plus attention dans mes moves. Ce que je vais renforcer, effectivement, c'est ça. Puisque je vais jouer dans le placard cette fois-ci. I'm gonna play in the placardos. Et je vais mettre des caméras Valkyrie un petit peu partout. Donc j'ai 3 caméras Valkyrie à disposer. Voilà, elle est là. Ensuite, je vais mettre ça là. Voilà. Et je vais mettre celle-ci ici. Voilà, comme ça personne le sait. Les caméras Valkyrie sont propres. Je suis prêt à jouer. Je vais me foutre juste là en dessous du mur. Et je vais pouvoir check vite fait un petit peu ce qui se passe. J'ai tous les rappels. J'ai toutes les informations. La caméra a été cassée. Fuck this shit, man. Et il me reste toujours deux petites caméras. Il y a le Blackbird là. S'il a le malheur. Comment ça je l'ai raté? Non. Est-ce que je saute et je récupère le Blackbird ou pas? Le Blackbird, il y a double rappel ici. Wow, 30 HP. Ce qui va en mettre un, le Blackbird qui a totalement la ligne sur moi. C'est terriblement chaud. Je sais qu'il y en a deux là. Regarde. Vous avez vu la caméra? Non, vous l'avez pas vu, forcément vous l'avez pas vu. Mais what? Voilà! Au moins, ok. Je suis vraiment en train de souffrir sur cette partie. Mais au moins pour le coup, j'ai été super teamplay et ça a permis de donner de sacrées informations aux collègues. Eh! Ça sauve des rounds. Alors restez tous tranquilles, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y en a bien qui va faire l'erreur de piquer. 12 balles encore. J'ai peur qu'on vienne me chercher. Allez, c'est l'heure d'attaquer. Allez, let's go. On est en bas à proximité du bomb site. On va juste faire gaffe au maestro. Moins 1. Et je vais pas mis de tête, ça me fait mal au cœur ce qui se passe ici. On sait qu'il y en a souvent tuyau, on va prêcher le tuyau un peu. Bien sûr qu'il y en a un tuyau. On prend la ligne tout doucement. Personne ici. On va vite fait droner sur BP parce que là il y a un truc intéressant à faire et on en a déjà calmé un. Dis-moi 50 HP. Où il est lui? Je vais juste péter le mute qui est là. Le mute est cassé, nickel. La Twitch qui prend un kill, c'est super. Le Echo, où il est? Il est pas là-dedans.
Il est, le écho il est mort, donc lui il est là. Mais... mais la tête! Pourtant je l'ai pré-shot sur son move, j'ai à peine touché! Je suis vraiment nul aujourd'hui. Il a sauté, bam, il m'a décalé, et voilà, là il prend une balle. Et il m'a complètement lavé, c'est un truc de ouf. Hein. Nickel, c'est très bien les gars. On leur a fait perdre, je pense, masse de temps. C'est du 3v2, ne gâchez absolument pas tout. Toi, t'as la porte ici, nice, le maestro est tombé, reste le bandit, on sait qu'il est derrière, nickel, ok, super. Donc en vérité, là, j'ai plus un rôle de support qu'autre chose, je m'éclate pas du tout dans la game, mais je fais mon travail, je casse le stuff, je prends les bacs, je prends les entries. C'est très très compliqué à jouer, mais ok, pourquoi pas, écoute, ma foi, hein, je fais mon boulot. Basiquement là ce que je vais essayer de faire c'est un truc de ouf et ça m'étonnerait que vous arriviez à tenir ce setup tout seul, mais si vous êtes à deux c'est super cool. Je vais essayer de vous montrer une petite extend dans le main qui est vraiment super sympathique, qui vous aidera à tenir les trappes. Par contre il faut vraiment faire attention dans le sens où votre point faible c'est le top. Donc au début si j'ai un conseil à vous donner c'est jouer le top, ensuite redescendez au niveau du bureau du consul. Et puis voilà c'est tout, basiquement j'ai plus rien à dire quoi. C'est... à un moment donné on passe les arguments et puis voilà. Ce qui va se passer c'est que faut faire la trap main. Moi je vais faire ça, je vais casser ici. Je vais renfaux là pour éviter que ça me rush justement du banc. Ou au moins qu'il y ait une toute petite intervalle là à côté du castle. Je préfère qu'il me rush du petit mur plutôt qu'il me rush complet du banc. Dans tous les cas ils seront obligés de breach. Là je vais me faire une petite rotation ici. Voilà. Ensuite je vais fermer ça au castle. Et je vais essayer de jouer au top. Bonsoir. Vous allez bien? Yep. Bon, ça va nickel. Ok, il n'y a personne. J'ai plutôt l'impression que c'est une attaque main. Donc du coup, je vais me décaler. Je vais revenir à ma position initiale. Là où j'avais préparé tout le setup. Mais wesh! Ok, bon. C'est du piano. Lui il est mad, parce qu'en même temps j'ai tiré sur le montagne et du coup je lui ai KS et c'était pas volontaire. Et c'est dommage parce que t'as niqué notre jeu à deux et on était super bien. Donc la toxicité à un moment donné il faut s'arrêter aussi hein. Oh t'as choke! Vigile tu choke! C'est horrible ce que vient de faire le vigile, 100% il avait le kill. Nice! 3v1, t'es en position de sécurité là, t'as pas besoin de bouger. Y'a qu'un accès. Et tu sais qu'il est là en plus, il va venir te jouer. Et c'est un Blackbird évidemment, il fallait que ce soit un Blackbird. Hein. Le pauvre, tout ce qu'il a pris dans la gueule. 13 secondes. Qu'est-ce que le Blackbird peut faire? Il peut que aller SK jaune. Il aura pas le temps d'aller ailleurs. Peut-être que Lima s'en bat. Et c'est terminé, c'est gagné en vérité. Voilà, y avait même pas besoin de pique, mais c'était gagné. Bon, écoute, ma foi, c'était plutôt une bonne partie. Je suis plutôt satisfait de ce qui vient de se passer ici. Voilà, diamant, platine, c'est cool. Hein, basiquement, c'est le genre de game qu'on croise. Nickel, et c'est la game du rank up diamant. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment beau, putain. Donc, bon, bah, j'ai tous les comptes diamants. C'est super cool. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Effectivement comme d'habitude, pas masse de kills sur les dents, la peau d'un requin. Parce que on n'est pas là comme en live pour rusher, pour faire des trucs de fou, pour... J'essaye de faire des trucs un peu plus stratégiques. Et comme on est en ranked, la plupart du temps t'es avec ou contre des totos. Et les mecs font totalement l'inverse de ce à quoi tu t'attends. Mais dans tous les cas ça m'a fait plaisir, je trouve qu'on a fait des moves intelligents, c'était plutôt sympathique. Quelques duels de perdus parce que comme dit j'ai pas eu le temps de jouer, je suis très pressé par le temps aujourd'hui, mais c'est pas grave, je trouve que la base était là. Dans tous les cas on est passé diamant et on a fait le travail, parce que sinon on n'aurait pas été aussi haut dans le tableau des scores. C'est important de faire les bons trucs aussi hein. C'est pas que important de faire du kill. J'espère comme dit que ça vous aura fait plaisir, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu tout simplement, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très simple, et pourquoi pas me suivre sur Twitter si vous voulez suivre mes aventures en live ou tout simplement toutes les parutions de vidéos, les giveaways, vous aurez toutes les infos sur mon Twitter tout simplement, en base de Witcher 76, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours tout simplement pour la première vidéo de Smajor, ça sera sûrement un vlog, donc voilà, donc ce que je voulais vous dire c'était ciao tout le monde.
Peace. Down, 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 down